Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Dragon d'Ambre. On se retrouve aujourd'hui pour la cinquième vidéo de la série consacrée à la saga Final Fantasy. Et comme vous vous en doutez sûrement déjà, on va parler ici du cinquième épisode. FF5 est sorti originellement sur Super Famicom au Japon en décembre 1992 et il est le premier FF à s'être vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. La version que je vous présente ici est une fois encore la version PlayStation, regroupant FF5 et FF6 dans une même boîte. Et comme d'habitude, le jeu ensuite a été porté sur de nombreux supports au fil des ans. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage vivement à regarder mes autres vidéos consacrées au FF et si possible dans l'ordre pour vous rendre mieux compte de l'évolution de la saga. Les préliminaires ayant été expédiés, on peut passer maintenant au vif du sujet. Contrairement aux autres épisodes impairs de la série, FF5 ne délaisse pas son scénario au profit de son système de jeu. Vous incarnez toujours 4 guerriers devant sauver les cristaux élémentaires de la destruction, mais l'histoire se révèle plus fouillée que ce qu'il paraît de prime abord et c'est surtout grâce aux 4 personnages principaux au profil plus profond que prévu qu'on le doit. A titre d'exemple, attention spoiler, Faris, le capitaine pirate aux cheveux roses, est en fait une femme. Ok. Et Galuf, le vieux barbu, est en réalité un vieil alien barbu venu d'ailleurs. Ok, Squaresoft. Bref, tandis que les héros se lèvent toujours le matin façon alliage ou to be free, le système de job est de retour et de la façon la plus complète qui soit. On se retrouve donc avec un système de job très riche, avec pas moins de 22 classes différentes pour lesquelles on peut opter. Cerise sur le gâteau, FF5 nous permet de garder certaines compétences lorsqu'on change de classe, ce qui autorise des combinaisons fort intéressantes, comme par exemple un chevalier capable de lancer des sorts de mage blanc. De quoi donner une véritable profondeur au gameplay de cet épisode. Pour finir, c'est également dans ce cinquième volet qu'apparaît pour la première fois Gilgamesh, le boss impressionnant qui viendra vous défier sous différentes formes à plusieurs reprises dans le jeu. Gilgamesh, qu'on retrouvera avec plaisir plus tard dans FF8. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra de vous tenir au courant des dernières nouveautés et des dernières vidéos sorties. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter, également pour sur les dernières nouveautés. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera certainement consacrée à FF6 et on se retrouvera également pour des tests des dernières nouveautés de ce mois d'octobre et novembre qui vont être très chargés. Donc on se dit à très bientôt, au revoir.